Bonsoir les amis. Alors on se retrouve pour l'arrivée Quinté Plus de ce vendredi 7 juin 2019. Donc tout d'abord, en description, mon compte Utip, très important pour moi. Donc c'est une autre forme de soutien. Donc vous allez sur le compte Utip, vous avez mes vidéos, vous avez le petit cœur pour vous abonner, les pubs à visionner, ça dure 20 à 30 secondes par jour, à 1 minute 50 par jour de votre temps. Donc c'est pas grand chose sur le temps précieux des 24 heures par jour. Moi je le fais pour les autres, créateurs également. Donc n'hésitez pas à le faire. Franchement, c'est à vous de choisir si vous voulez regarder une pub, deux pubs, trois pubs, quatre pubs ou cinq pubs. Des fois il manque des pubs, ça je suis au courant. Mais bon, voilà, le peu de pubs qu'il y a, n'hésitez pas à les visionner. Donc il faut laisser passer la pub et le tour est joué. Voilà. Donc c'est pas grand-chose, mais pour moi c'est énorme. Franchement, et merci de votre soutien sur la chaîne YouTube. Franchement, on est presque 6100. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne et les vidéos en masse. Donc on va parler un peu de l'arrivée. Donc l'arrivée un peu dégoûtée. On avait le Quinté avec mon regret. Voilà, le Quinté, on l'avait avec mon regret. Malheureusement, c'était mon regret. Donc pas dans le jeu. On fait un 4 sur 5 sur ce Quinté-là. Donc j'espère que mes jeux, que mes chevaux vous ont aidé si certains ont eu le Quinté ou le Quarté ou le Tiercé. Parce que franchement, mon regret rentre assez souvent. Et si vous l'avez incorporé dans vos jeux, chapeau. Voilà. Donc le 5. Voilà, bon, j'y reviendrai, mais le 5 rentre à 18 contre 1, donc il fallait quand même le trouver. Bon, je l'ai eu, je l'avais dedans, dans mon jeu. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Donc on passe à côté d'un tiercé, quarté, quinté, à cause de mon regret, le 8 qui se classe deuxième, malheureusement. Voilà, donc on y va pour l'arrivée quinté plus de ce vendredi 7 juin 2019. Donc l'arrivée est le 10, le 8, le 5, le 6 et le 13. Donc en détail, ça nous fait le 10, Crescent 10, drivé par Sené qui rentre à la cote de 8 contre 1. En deuxième position, on a le 8, 2 étoiles Jed, drivé par Nivar qui rentre à la cote de 7 contre 1. Donc c'est mon regret. Voilà, donc je l'ai un peu là le regret, ça fait mal. En troisième position, on a le 5, Inga in Haven, drivé par Ouvry qui rentre à la cote de 18 contre 1. Donc celui-là, je l'avais classé 7e. Je l'avais mis 7e dans mon jeu en 8, malheureusement, il rentre 3e. Donc vraiment dommage. En quatrième position, on a le 6 d'Ascalia, drivé par Raffine, qui rentre à la cote de 5 contre 1. Donc ça, c'était mon favori. Vraiment dommage. Donc le favori était moins coté que le second favori, qui était le 10. Voilà, donc si vous avez joué le second favori à un jeu simple, vous empochez, je vous dirai combien exactement. Un jeu simple. Donc, et en cinquième position, on a le 13, Dimidizia, drivé par Abrivar, qui rentre à la cote de 7 contre 1. Donc, on a mon favori qui est quatrième. Mon second favori gagne et il fait quand même 7,60 gagnant et 2,80 placé. Donc, rentre quand même à belle cote. On a un 2 sur 4 tout de même qui nous rapporte 9,90 et un 2 sur 4 combiné qui nous rapporte 9,90. Donc on fait un 4 sur 5 sans mon regret, malheureusement, pour mon jeu en 8. Et un 5 sur 5 avec le 8. Donc mon regret qui nous enlève le Quinté Plus. Voilà, donc vraiment dommage. Donc je vais vous faire le rapport global de la course. Donc le jeu simple, le 10 gagnant rapportait 7,60. Le 10 placé rapportait 2,80. Le 8 placé rapportait 2,30. Et le 5 placé rapportait 5,60. Le couplet gagnant 18 rapporté 32,10. Le couplet placé 18 rapporté 16,65. Le couplet placé 10,5 rapporté 39. Et le couplet placé 8,5 rapporté 31,65. Le 2 sur 4 quant à lui rapporté 9,90. Le multi en 4 rapporté 693. Le multi en 5 rapporté 138,60. Le multi en 6 rapportait 46,20 et le multi en 7 19,80. Le tiercé ordre, quant à lui, rapportait 1111,65. En désordre, 186,75. Le quarté ordre rapportait 2393,43. En désordre, 132,34. Le bonus rapportait 33,80.
Le Quinté Plus Ordre rapportait 15 878,40, en désordre 152,60, le bonus 4 rapportait 25 et le bonus 3 12,80. Donc voilà pour l'arrivée Quinté Plus de ce vendredi 7 juin 2019. Donc encore une fois, on passe à ras du Quinté. Bon, on en a gagné quelques-unes depuis le début de ce mois. Sauf hier où franchement on est passé large à côté. Franchement déçu. Donc voilà, bon ben c'est des choses qui arrivent. Donc moi je vous place des chevaux. Après c'est mes conseils de jeu. Moi je fais des pronos, bon comme ça, je vous propose des chevaux. Après, soit vous piochez dedans ou vous suivez mes jeux. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, c'est juste des conseils. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas d'aller voir mon compte Utip en description. Pour les nouveaux venus sur la chaîne, le petit onglet ici qui sert à vous abonner en cliquant dessus avec les ordinateurs. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et pour les portables et les tablettes, c'est sur la chaîne YouTube qu'il faudra s'abonner. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée tout le monde. On se retrouve demain pour les arrivées Quinté et les pronos de dimanche. Et moi, je vous dis bonne soirée à tous. Bon gain à tous pour demain. Et franchement, je les ai là encore. Voilà, sur ce, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.